Moins d'un mois pour que les connaissances des élèves du primaire et du secondaire soient évaluées au cours des différents examens et concours. Et généralement, à pareille période, fraude, erreur ou encore tricherie sont les maîtres mots. C'est pourquoi la direction des examens et concours veut cette année tuer le mal à la racine. Un séminaire de formation à l'attention des acteurs des examens et concours se tient du 20 au 21 mai. Quand vous dites que vous êtes commissaire, qu'est-ce que le commissaire doit faire pendant les examens? Quand vous dites que vous êtes harmonisateur, quel rôle doit jouer l'harmonisateur au sein de toute cette machine organisationnelle que nous avons mise en place? Donc c'est pour que chaque entité puisse trouver sa place au sein de l'organisation et comprenne son fonctionnement en tant que tel. Une démarche qu'apprécient à sa juste valeur les séminaristes qui disent toutefois s'impliquer pleinement au bon déroulement des examens et concours session 2014. Avant, il y avait quelques incompréhensions. Chacun n'était pas à sa place. Mais je pense qu'avec ce séminaire, on pourra mieux harmoniser nos travaux. Quels acteurs pour une organisation réussie des examens et concours? C'est le thème autour duquel graviteront les échanges entre acteurs du système éducatif au lycée professionnel et commercial de Yopougon.